l'Espagne, ou le Royaume d'Espagne, avec sa capitale Madrid. Est l'un des pays européens avancés sur le plan économique. L'Espagne est également considérée comme l'un des plus beaux pays d'Europe et du monde. De plus, l'Espagne a été l'un des plus grands empires du monde au cours d'une période de l'histoire moderne. Elle est également restée sous domination islamique pendant une longue période, cette période ayant duré environ 800 ans. La Espagne est située dans le sud-ouest du continent européen, dans une région appelée la péninsule ibérique. L'Espagne est bordée par la France, Andorre et le golfe de Gascogne au nord. Elle est limitée par la mer Méditerranée au sud et à l'est. Elle est également bordée par le Portugal et l'océan Atlantique au nord-ouest. Sous la souveraineté espagnole, il y a des îles dans l'océan Atlantique appelées les îles Canaries. Il y a aussi des îles dans la mer Méditerranée appelées les îles Baléares. De plus, il y a deux villes en Afrique du Nord qui relèvent de la souveraineté espagnole, Ceuta et Melilla. La superficie de l'Espagne est d'environ 504 000 km², et c'est une grande superficie. Ainsi, l'Espagne est le deuxième plus grand pays d'Europe occidentale et de l'Union européenne après la France en termes de superficie. La population de l'Espagne est estimée à environ 47 millions de personnes. La langue officielle en Espagne est l'espagnol, également connue sous le nom de castillan, et c'est une langue utilisée dans tout le pays. Il existe également d'autres langues officielles en plus de l'espagnol, qui sont propres à certaines régions, comme le catalan, qui est parlé parmi la population de la Catalogne et des îles Baléares. Il y a aussi la langue basque, qui est parlée parmi la population du Pays basque et de Navarre. Et il y a le galicien, qui est parlé parmi la population de Galice. Les villes les plus célèbres en Espagne sont la capitale Madrid, Barcelone, qui est la deuxième plus grande ville du pays, ainsi que Valence, Séville, Saragosse et Malaga. En dehors de la capitale Madrid et de ses environs, les régions les plus peuplées se trouvent le long du littoral espagnol. Dans certaines régions d'Espagne, il y a un certain nombre d'immigrants qui viennent d'anciennes colonies espagnoles, comme le Maroc, l'Algérie, la Guinée équatoriale et les Philippines, ainsi que de la région de l'Afrique subsaharienne et de la région des Caraïbes. Il y a également un certain nombre d'immigrants d'Amérique latine qui ont des origines espagnoles. Quant aux gitans présents en Espagne, appelés « gitanos », ils sont arrivés en Espagne au XVIe siècle et leur nombre atteint environ 700 000 personnes. Selon la loi de division territoriale de l'Espagne en 1833, l'Espagne est composée de provinces, et ces provinces sont divisées en municipalités. L'Espagne compte également 17 régions autonomes, parmi les plus célèbres figurent le Pays basque et la Catalogne. L'Espagne gouverne également deux villes autonomes, Ceuta et Melilla, situées en Afrique du Nord. Il est à noter que le niveau d'autonomie dans ces régions varie, ce qui fait de l'Espagne l'un des pays décentralisés en Europe, à l'instar de la Suisse et de la Belgique. L'Espagne a un différend territorial avec la Grande-Bretagne concernant la souveraineté du rocher de Gibraltar, qui est actuellement un territoire britannique d'outre-mer. La superficie de Gibraltar est d'environ 6 km² et il est situé dans la mer Méditerranée, dans la partie sud de la péninsule ibérique. Le rocher de Gibraltar était à l'origine une ville espagnole, mais elle a été envahie par les forces britanniques et néerlandaises en 1704 pendant la guerre de succession d'Espagne. Cela a été fait au nom du duc Charles, qui revendiquait le trône espagnol à cette époque. En 1713, le statut juridique du rocher de Gibraltar a été réglé en vertu du traité d'Utrecht. Il a été cédé définitivement à la couronne britannique.
Cependant, depuis les années 1940, l'Espagne réclame le retour de Gibraltar, mais la majorité de la population à Gibraltar s'oppose à cette proposition. Ils s'opposent également à toute souveraineté partagée sur la région. L'économie espagnole est une économie mixte capitaliste et est considérée comme la sixième plus grande économie en Europe et la douzième plus grande au niveau mondial. Par conséquent, l'Espagne est considérée comme l'un des pays avancés dans le monde. Au début des années 1990, le taux de chômage en Espagne était très élevé, dépassant les 20%. Cependant, ce taux a considérablement diminué d'ici 2006, atteignant seulement environ 7%. Ce pourcentage était considéré comme très bon par rapport à d'autres pays européens à l'époque. L'Espagne ne dispose pas de réserves de pétrole sur son territoire, c'est pourquoi elle s'appuie sur des sources d'énergie alternatives telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire. En 2009, les énergies renouvelables représentaient environ 50% de l'énergie produite en Espagne. En 2010, l'Espagne était en tête du monde dans l'utilisation de l'énergie solaire, dépassant les États-Unis, qui occupaient auparavant la première place à cet égard. En 1986, l'Espagne a rejoint le marché commun européen, qui s'est ensuite transformé en Union européenne. En 2002, l'Espagne a remplacé sa monnaie nationale, appelée peseta espagnole, par la monnaie unique européenne, l'euro, et depuis lors, l'économie espagnole connaît une forte croissance. Dans les années 1980, l'industrie du tourisme en Espagne a commencé à devenir le deuxième secteur touristique mondial, atteignant environ 40 milliards de dollars, représentant ainsi plus de 5% du produit intérieur brut. Ce qui a contribué à la croissance importante du tourisme en Espagne, c'est l'abondance des attractions touristiques, culturelles, de divertissement et historiques présentes en Espagne, ainsi que sa situation géographique et son climat merveilleux. Tout cela a grandement influencé le fait que l'industrie du tourisme soit l'une des principales industries en Espagne. De visiteurs et d'arrivées en Espagne dépasse les 55 millions de touristes chaque année, ce qui en fait la deuxième plus grande attraction touristique au monde après la France. De plus, l'Espagne compte 48 sites enregistrés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en fait le troisième pays au monde avec le plus de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, après l'Italie et la Chine.